à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Age of the Rings. Nous allons tester cette carte, hein, Umbar. Et franchement, ça a l'air plutôt stylé. Alors là, j'ai mis de la difficulté. C'est-à-dire qu'il y a 4 IA contre moi. Bon, ils sont contre les uns les autres parce que sinon, ce serait compliqué. Moi, je suis au centre de la carte, dans le port. Et je vais jouer les elfes. Alors, j'ai pas choisi le Harad. En vrai, j'aurais pu choisir le Harad, encore une fois. Mais en fait, toutes les nouvelles forteresses, principalement, sont des forteresses du Harad, d'Umbar, du côté sud et est de la terre du milieu. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. J'avais déjà testé la carte lors de la convention Paris Fan Festival. J'avais joué pendant un petit quart d'heure pour montrer à des gens, vite fait, les gens qui passaient le mode. En vrai, le Paris Fan Festival, c'était vraiment très drôle parce que du coup, il y avait des enfants qui, genre, ils avaient, je sais pas, 7-8 ans et découvraient pour la première fois le jeu. Ils étaient en mode, mais ils étaient perdus, mais c'était trop drôle. Genre, ils étaient tellement enjoués. C'était genre un nain gobelin, un truc comme ça. C'était vraiment magnifique. Du coup, là, nous avons. Du coup, j'ai les elfes, hein, ça change pas. Mais là, découvrons un peu la carte. Nous avons un port, du coup, une porte ici. Alors, est-ce qu'on a déjà des bateaux? Est-ce qu'on a déjà des ports? Des portiques? Non, par contre, on peut prendre ici, j'imagine, pour faire un port. Alors oui, comment ça se passe au sud? Donc au sud, nous avons une porte, une herse, et ils ne peuvent passer que par cette herse. Donc déjà, en termes de décor et tout, ça a l'air magnifique, encore une fois, hein, c'est d'une beauté sans nom. Les gens bizarres, faut le dire, non, bah non, attends. Non, justement, c'était tout à fait classico-normal, hein. Wow, c'est stylé en vrai. Non, la map est vraiment chouette. Beaucoup de maisons, beaucoup de maisonnettes. Du coup, je sais pas du tout où faire mes bâtiments de prod d'unité. Il faudrait que je les rassemble à un endroit pour que ce soit plus simple. Ici, c'est un peu derrière ma base, donc autant blinder l'écho. Pour l'instant, je fais beaucoup d'écho parce que je sais pas encore ce que je vais faire exactement et par où. Là, j'ai l'impression que... Là, j'ai déjà fait une caserne ici, donc ça, c'est bon. Alors, faut que je me souvienne aussi où sont mes casernes. Parce que ça n'a pas l'air si simple de s'en souvenir. Là, j'ai 2 bâtiments d'écho. Là, je vais faire 2 bâtiments d'écho aussi. Ah non, je peux en faire qu'un. Si, je peux en faire 2. Ok, on va refaire directement un bâtiment ici. Et eux, est-ce qu'ils ont un port? C'est ça la question. Alors, attends, ça appartient à qui? Ah, ça appartient encore à moi, cet endroit. Incroyable. Ah, là, il y a un feu d'alarme, j'imagine, avec un petit garde ici, qui est vachement stylé. Ah, c'est stylé de ouf. Défenseur de la comté. Attendez, on va prendre une petite photo, évidemment. Non, mais c'est beau, c'est très, très beau. Voilà. Il y a moyen de faire des belles photos, quand même, sur le mode. Très belles photos. Du coup... Je continue à faire ça, je vais aller récupérer, il me faudrait un héros en fait. Là il faut aller récupérer tout ce qu'il y a sur la carte, enfin tout ce qu'il y a en tout cas dans ma base. Alors les IA, du coup il doit y en avoir un ici j'imagine, et un gauche. At your service. Hop. And the road, and the rollings. Et ça c'est la... Ok, donc là il y a un port que je viens de prendre. Est-ce qu'il y a un bâtiment à prendre par ici? Non, il y a carrément un port ici, enfin une entrée de port. Ok. On va aller prendre ça. Nous le capturerons. Ok, donc là j'ai des piquets. Alors est-ce qu'il y a aussi un bâtiment à prendre genre tout au bout là? Alors, ici il n'y a pas de bâtiment à prendre. J'ai quand même envie de mettre des gardes. Même si ça sert à rien. Clairement. Ça ne sert strictement à rien. Mais par contre tu peux faire un RP ici un peu, ça peut être sympa. Alors ça sert à quoi? Le pouvoir là, je crois que ça sert à rien. Hein. C'est juste la chanson, c'est tout. C'est juste pour t'ambiancer un peu. Mais sinon, effectivement, ça ne sert strictement à rien. Oh, Pelargir Expeditionary. Ok, intéressant. Est-ce qu'on n'irait pas prendre un autre bâtiment? C'est le point le plus culminant de tout en haut.
Oh, c'est tellement stylé. Le décor. T'as fini Witcher 3? Oh, j'ai... oui, je m'en souviens ça. Attendez, faut que je montre. J'ai fini. Non, on n'a pas du tout fini, on a abandonné le jeu. On jouait à d'autres jeux donc. Tac. Bon bah, je continue à faire des bâtiments. De toute façon, j'ai quasiment tout fait. Mais ça aussi, c'est trop stylé! Attendez, je vais vous montrer le combat. Mais en plus, il y a deux gardes ici. Incroyable. En vrai, si j'arrive à avoir un plan avec eux. Oh, ça serait incroyable. Le problème, c'est que je peux pas. Ah, si, peut-être. Non, je peux pas. Pour un angle un peu plus. Un peu plus comme ça. Un peu plus comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. C'est dommage. On est assez d'avoir les deux, là. Ouais. Attendez, là, j'ai le bon angle. Ouais. Tu mets ça en scène d'attente. Je filme pendant 5 minutes. Et ça me fera une scène d'attente. En vrai, j'ai tellement d'idées. Ouais, des scènes d'attente. Le mode. C'est mon moyen de faire des choses. Comment ça des intrus? Quoi, il y a un bateau chez moi? What the fuck, il m'attaque? Ça aussi c'est un bateau ennemi? Oh là là, ça y est, je suis attaqué. Attendez, on va fermer les portes. Fermer les portes. Pour l'instant, j'ai toujours pas fait une seule unité. C'est génial. J'avais pas fait un campement un peu là-haut. Là. Attendez, je perds mes bâtiments de prod. Bon, je propose que pour l'instant, on attaque que d'un côté. Mais du coup, je sais pas où... Je crois que j'ai pas fait l'autre bâtiment. Hein. On va attaquer qu'en bas, hein, pour l'instant. Allez, go faire des elfes. Ensuite... ici, on va faire du coup le bâtiment qui me reste. Je pense que j'ai utilisé tous les emplacements possibles et... du jeu. Il est où le port, là? Ah, il essaye de s'enfuir. Regardez-les. Ah oui, c'est vrai que ça a totalement changé. Ça c'est quoi? Wouah! C'est vrai que les bâtons ont totalement changé. Wouah, les dégâts que ça fait. Ça c'est quoi? Pendant 10 secondes, ça augmente leur ramming damage. Wouah, incroyable. Et go, go, go les massacrer en fait. En 50 de speed, plus 50 range damage. Ok. Je crois que ça va le faire. Je pense que oui. Est-ce que là, ça va vraiment changer leur truc? Ah mais il va couler notre bateau, il va couler. Non. Oh les bateaux, ça a l'air incroyable. C'est vrai qu'ils ont changé le système des bateaux. On va pouvoir découvrir ça. Attendez. Faut que je prenne le truc ici, là. Attendez. Tac. Ouais, on va pouvoir découvrir les bateaux. C'est génial. Mais mec, t'es... T'es un abandonné de première, tu vas faire comment pour le GOTY qui sort dans 2 jours, le jeu Gollum? Tu vas le rage-quitter aussi? Pourquoi je le rage-quitterais? De comment ça je rage-quitte? Qu'est-ce qui t'arrive, la mouette là? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est, c'est la décadence. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas ragé, je n'ai rien dit. Il faut plus de ressources! Parce que tu finis pas tes jeux. Ah oui d'accord, ah non mais The Witcher c'est différent. On n'est pas trop The Witcher en fait. Juste que... Je sais même pas pourquoi on a arrêté The Witcher. C'est parce qu'il y avait un autre jeu qui sortait sur... On joue au Resident Evil. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté. Ensuite là il y a Hogwarts Legacy, du coup on est sur Hogwarts Legacy. Le bâtiment est à nous à présent. Du coup le truc des voiles, ça c'est vraiment cool. Vas-y, ça fait quoi? Ça augmente la porte. La portée de ouf ou pas? Salut, bon courage mon cher Fokin. Bon courage à toi et bonne journée. Allez, on va sortir, on va voir ce qui se passe. T'aimes bien Harry Potter? Ça va, ça va. Bah après j'ai pas eu l'occasion de jouer beaucoup à World Legacy. C'est plutôt ma copine qui joue. Alors, du coup ça me permet de quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte là? Ok, j'ai ça. Ça me rapporte des ressources parce que genre ça pêche. Ça récolte des ressources parce que voilà, c'est joli. En vrai, les bateaux sont beaucoup plus clean qu'avant. Ils sont très très beaux. Hein.
On va aller martyriser leur petit peur là. Je vais faire des héros aussi, c'est très important. Bon, c'est bien parce que pour l'instant l'IA ne m'observe pas, hein, clairement. Ils m'ont complètement abandonné. Merci beaucoup pour le follow, Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo. Hey, hey. Tata Yo-Yo. Ah, est-ce que ça, est-ce qu'on les verra, ces beaux elfes? Les elfes d'Eregion? Francombe? On verra bien, on verra bien. Hop. On va améliorer tout ça, les unités ici. Bon, là, on a une bonne armée. Moi, je vais tester les bateaux. Oh, les bateaux, ça a l'air trop stylé. Attendez, faut que je prenne une photo, faut que je prenne une photo. J'ai l'impression qu'on fait que ça de prendre des photos, mais c'est trop beau aussi. Après, je pourrais partager sur les réseaux. Avec le petit bateau là, pas mal. Non, j'étais bien. Oui, tu es Arwen, c'est incroyable. Nous avons agrandi la caserne. Ah, la caméra qui est en PLS. Et ça va le faire. Oh là là, en plus ça fleure d'eau comme ça. Direction le pouvoir Elroyer et la Dan. Les bestes évidemment. Du coup la question c'est, est-ce que quand je fais contrôle A... Non, ça les contrôle pas, c'est génial. Les bateaux ne sont pas target. Alors, du coup la zone c'est quoi? C'est la zone où faut pas qu'ils soient dans la même zone? Pour avoir plus de ressources, j'imagine. C'est stylé. Là, quand on sait qu'il y a un... Wow, Arwen, tu prends cher. Wow, on a perdu tout le monde là, on est d'accord. Tout le monde est mort. Wow, on s'est fait déchiqueter. On s'est fait déchiqueter. Oh là là. On prend plus la GDA maintenant chez les elfes, je parle. Ah ouais? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Viper? Tu combats toujours pas, c'est ça que t'es en train de me dire? Mais faut pas hésiter à communiquer, hein, faut le dire, je pense. Oh là là, le Rouen qui est pas du tout content que je les ai dérangés. Ouah, Arwen. Oh, mais oui, mais Dame Arwen, elle prend tellement cher aussi. Par Elberet, qu'il donne au miel. Ouah, mais ils font tellement mal. Nous passerons pas. Il est où lui? Il est dans le champ de bataille aussi là. Allez, allez, on se défend, on défend. Arel Beret. Gildomiel. C'est vrai, mais j'ai pas le temps. Ah, bah voilà. Vas-y, on va les mettre sur les murs eux. Ils ont l'air tellement BG, tellement badass. Allez les hobbits, sur les murs. Oh, ça se défend bien là, ça se défend bien. Sur les murs, je répète, sur les murs. Nous devons défendre et agir. Oh, replie-toi, toi. Ah, il y a un mec qui est en haut de la tour. Bah oui, bien sûr. Si. Bon, ça c'est l'unité la plus pétée du jeu. Enfin, j'imagine chez les elfes, en tout cas. Pourquoi ils attaquent le bâtiment? C'est pas le bâtiment qui est intéressant. C'est Eowyn en première ligne là. Oh là là. Le pauvre Arad qui a voulu invoquer un pouvoir. Ah, mon bateau qui se fait attaquer. Oh, mon bateau qui se défend comme il peut. Fiu, fiu. Et il fait mal mon bateau, hein. Du coup là on a une plus grosse portée j'imagine, non? Oh, y'a un maquille et tout. Pourquoi il tire pas? Quoi? Oh non! J'ai fait plein de bateaux, c'est vrai. Non, c'est cela que je bouge. Attendez, on va replier le bateau. On va mettre des petits bateaux partout. Mais par rapport à Lizen qui eux jouent tout le temps. J'avoue Lizengar ils jouent très très souvent quoi. Il manque quand même les chevaux dans les cales des bateaux, ils auraient pu faire un effort franchement. Ah, les fameux elfes, enfin les chameux, la fameuse cavalerie cachée au fond. Non mais ils sont passés par un autre endroit.
Bon, niveau pop, on est pas mal. Les serviteurs du Sauron t'arrêteront ici. Attendez, on va refaire notre cher Arwen. Et on va prendre directement les pouvoirs. Est-ce qu'on pourrait pas débloquer directement Elruir et Ladan? Oui, on peut. Ah, j'ai pas remis la cam. Trop drôle. Personne me le dit, c'est honteux. Allez, go faire Elruir. Oh là là, avec mes petits hommes sur les murs là. Quel plaisir. Quel plaisir à défendre. Albarad, move out. Mais non, mais mes hommes ne restent pas sur les murs, ils sont bêtes. Aïe aïe aïe. Bah oui, ils vont nous écraser, bah normal. Et tirez sur eux là, ils vous tirent dessus. Oh la portée qu'ils ont. Oh le maquille qui essaie de taper à travers le bâtiment. C'est une honte. Faut faire la danse, c'est lui qui carry. Oh bah non, Darka, c'est honteux. Moi j'ai jamais compris cette polémique des chevaux, ils sont dans les cales des bateaux, c'est tout. Ouais, c'est parce que les gens ils râlent parce qu'il y en a beaucoup trop. Enfin, il y en a beaucoup par rapport au nombre de bateaux en fait. Après, peut-être que genre il y avait. Allez, on va dire deux bateaux. Deux bateaux avec des hommes et des canassons, enfin des chevaux dans les cales, et ensuite un bateau pour tout, pour la bouffe, pour tous les chevaux, toi, tout ce qui reste. Il y avait des mèmes et tout. Bon là, je sais pas trop qui attaquer en premier. Est-ce que j'ai des engins de siège? C'est la question. Je pose tout le temps la question avec eux. Je crois que oui, hein. Mais c'est dans quelle caserne? Ah oui, c'est dans le truc du Rouen. Des Hobbits. Ouais, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Oh, on est pas mal sur nos petits murets. On est pas mal du tout. Par contre, ça sert à rien d'aller au corps à corps, les gars. Hein. Vous pouvez rester... Bah oui, voilà. Ça, c'est la super cavalerie d'élite, là. Il y a moyen de désactiver les phases automatiques qui disent les mecs. Parce que quand même, c'est relou leur tendance à faire du Captain Obvious. Hein? Comment ça? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça y est. C'était encore ce Gollum. Où ça? J'ai entendu Gollum. Il y a un Gollum sauvage pas loin. Il y a un Gollum sauvage. Allez, allez, il faut améliorer tout ça, il faut améliorer tout ça. J'ai pas une forge quelque part là avec les améliorations? Ouais, bah voilà, parfait. Bon allez, Elruir là, faut aller se battre. J'ai l'impression que les deux sont contre moi. Hein. Oh, c'est vrai qu'il est trop stylé lui. C'est qui? C'est Nafarati Ritzmaster. Allez, go envoyer les elfes. Ah, cette mission va être plus dure. Avec tous les archers sur les murs là, ça va le faire quand même. Entendre 15 fois la place est à nous, c'est quand même super chiant. Je trouve que c'est dommage de désactiver le son parce que les musiques et les bruitages sont quand même très bien. Tu parles dans le mode là? Mes prochains tours, je pense jouer à Lorien, c'est ma map maintenant. Ah, t'es toujours en Lorien, t'as pas bougé? Bah écoute Viper, ouais, tu défendras la Lorien, voilà. Entraîne-toi sur cette carte. Oh, mon bateau qui vient carrément aider, quoi. Génial. Attendez, oh, l'anneau est là. Attendez, objectif, récupérer l'anneau. C'était quand même intéressant. Ah, c'est mort, hein. C'est mon anneau. Hein. C'est mon anneau pour les gouverner tous, là. Hein. Aïe, Gandalf. Attendez, on va faire un mini Unshot Pass. Boum. Mais ça les a pas tués, c'est ça le problème. Attendez, on va faire une explosion de magie. Boum. Allez, mort. 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 Prends l'anneau, Gandalf. Prends l'anneau. C'est bon, Gandalf a l'anneau. Bah non, Glorfindel, tu peux pas mourir comme ça. Oh là là, Glorfindel, c'est vraiment un caca. Heureusement qu'Elruir est bien meilleur. Quoique. J'ai l'impression que tu fais massacrer aussi. Courage. Mais c'est quelle unité qui fait tout le temps la même phrase? Wow, on m'attaque par là? Non. Oh non, c'est les nains. Ça y est, je crois que les nains ont éradiqué leurs alliés, leurs ennemis. Oui, ils veulent venir chez moi. Je déteste. Allez, Gandalf, ramène l'anneau. Au château, vite! Oui, c'est ça, c'est très sympa, il parle beaucoup.
Trop pour rien dire, je trouve. Ah bah oui, bah c'est BFME, hein, c'est... T'aimes bien parler, quoi. Les nains, ils vont péter la porte, on va se retrouver en 2v1, là. Bon, toi, tu vas aller récupérer l'anneau, parce que Gandalf, c'est sûr, il arrivera pas au bout. Il est trop vieux, il est trop lent. Il va perdre l'anneau, c'est sûr. On parle de la polémique des chevaux dans les bateaux, sans parler de la polémique des numériens qui se battent à cheval dans la série préquelle, alors qu'on sait très bien qu'ils se battent à pied. Oui, non mais... Pour se déplacer en terre du milieu, t'es obligé de te déplacer à cheval. Tu peux pas faire autrement, c'est pas possible. Ça, c'est une fausse polémique, en vrai. Comment ça, non? Je comprends que tu les respectes, les chevaux, y'a aucun souci, toi. Mais pas le temps de respecter les chevaux, là. C'est la guerre, hein. Hey, ça rock! Allez, go! Go faire les améliorations. Comment ça, l'anneau est là, là? Oh, mais il est dans le bélier! Le bélier, il va jamais rentrer dans la forto, c'est sûr. Bon, est-ce que je peux faire les améliorations? Oui, je peux faire toutes les améliorations. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le héros, là? Il est perdu ou quoi? Il s'est perdu. Bon, c'est bon, on peut les anéantir maintenant. Je m'en fiche de qui anéantir, mais au moins on anéantira un, quoi. J'ai 4 factions à défoncer, hein. Mais c'est pas grave, maintenant j'ai les améliorations. On est très très bien. I gonna hay les fury fury. C'est à ce moment là où je suis immortel. Quand j'ai tous les héros. L'œil est fixé sur fond de combe. Ça tombe bien, on n'est pas à fond de comble, on est très très loin de fond de comble. C'est bon, on y va là? À force de toujours râler sur tout et n'importe quoi, faut pas s'étonner que personne n'ait envie de connaître l'univers de Tolkien si tout le monde vient de dire non mais c'est de la merde. Je suis entièrement d'accord. À chaque fois qu'il y a un nouveau projet, les gens râlent. Alors que... Ça peut amener des nouvelles personnes dans la communauté, mais le problème c'est que... Au final, bah... Triste. Dans très bel univers. On est trop élitiste, c'est ça. Ouais, on défend la qualité. Qualité. Non mais Darkia. On sait très bien qu'il y a de la qualité. Les livres sont là, t'inquiète pas toi. Ça bougera pas les livres. Enfin quoique avec la nouvelle trad, tu sais pas trop si ça peut encore bouger encore. Hein. Sauf il y aura encore une nouvelle trad, ils vont changer fond de combe en fond de val qui se transformera en cul de fond. Enfin bref, la combe de la vallée, de la forto, des cités cachées, ça pourrait être un truc du genre. Bon, on a débloqué l'anneau, du coup on a débloqué Frodon Saké, incroyable. Frodon Saké qui va partir à l'aventure. Bon allez, on a une armée de ouf, go anéantir maintenant. On va commencer par eux parce qu'ils ont l'air plutôt excentrés. On va voir si on y arrive évidemment. Faut des gens qui défendent aussi la forto, hein. Allez, on a deux béliers, tout ce qu'il faut pour les anéantir. Fight, Main of the North. Allez, tout voir, tout voir. Aïe, aïe, ça risque de faire grincer quelques dents, mais le film de Peter Jackson, le plus fidèle au livre de Tolkien, c'est Le Hobbit, un voyage inattendu. C'est vrai que le voyage inattendu est vachement proche des livres. Et moi, je suis en train de lire Le Hobbit en ce moment, et c'est vrai que... Ça c'est énormément... c'est la même chose que les livres. En fait, ils rajoutent juste des choses dans le Hobbit. Ils rajoutent pourquoi... Enfin, Gandalf, quand il se barre, on sait pas où il va dans le Hobbit. Là, tu sais un peu pourquoi. Ils rajoutent genre des Radagast, les wargs et tout. Enfin, plus les méchants au début. Non, c'est vrai que le voyage inattendu est une très belle adaptation, je trouve. Qui est pour moi mon préféré des trois Hobbits. Mais le Hobbit 1, c'est le meilleur avec le SDA 1. Ouais, le SDA 1 est très très très, très bien. I won't take the ring to Mordor. Ah, attends, ils sont où mes béliers là? Béliers, il y en a un là. Je sais pas s'il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Faut juste aller détruire la forteresse en soi.
Prenez votre temps, prenez votre temps. Oh, il y a carrément des scorpions et tout. Dans des 35 points de pouvoir, il y a moyen. Oh, il y a Tom Badil qu'on peut invoquer. On va partir sur ça, ça. Merde, j'ai cancel. Au secours. Hop, voilà. Mon Tom Badil, on va le garder un peu. On va le garder, on va le garder. Oh là, on m'attaque. Ils ont détruit ma caserne. Mais non, c'est des... C'est des monstres en fait. Le fardeau est lourd. Tiens, Frodon, sert à quelque chose. Va défendre la base. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, avec la série, on va voir des conneries qui vont nous dire. Excellent, son usage s'est passé comme dans la série. Et calme-toi, ça, c'est pas fini encore. Ça ne vient que commencer. Des gens te diront que le Seigneur des Anneaux, c'est comme les films du Seigneur des Anneaux. Voilà. C'est le même délire, hein, mon cher Dark. Oh, la petite musique est très chouette derrière là. Allez, les gars, on y va. Go, go, go. On passe au cac. On passe au cac. Let's go, let's go, 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 go. À la guerre. À la guerre. Pouvoir. Au nom de tous les elfes de la terre du milieu, battez-vous! Battez-vous pour. Ah oui, c'est vrai qu'Arwen, je peux la acheter pour qu'elle up de level. La série, c'est tout sauf du Seigneur des Anneaux. Ça tombe bien, c'est pas Seigneur des Anneaux. Faut arrêter de le comparer avec le Seigneur des Anneaux, c'est pas le Seigneur des Anneaux. C'est pour ça que c'est pas pareil. Vous êtes dur, vous êtes dur. En fait, le problème, c'est que le Hobbit, c'est surtout qu'il n'y avait pas matière à faire trois films, que du coup, ça tire un peu en longueur des moments. Et tu sens qu'il rame, à mon avis, qu'ils avaient fait un seul film, ou deux, ça aurait été différent. Et puis, quand même, il y a des choix discutables, genre le pseudo à romance qui n'existe pas dans le bouquin entre l'elfe et l'homme. Oui, oui. Je peux comprendre qu'il y a certains points qui ne fassent pas forcément plaisir. Non mais en vrai, je suis d'accord que le Hobbit, peut-être en deux films, ça aurait été peut-être mieux, toi. Ça aurait été plus sympa. Après, en trois films, voilà, c'est vrai que c'est long, mais... Surtout la bataille des cinq armées qui est mal ficelée, elle est longue, quoi. C'est parce qu'en fait, le Hobbit... Bon là, j'ai pas encore fini, mais... ça s'arrête... Enfin, la bataille des cinq armées, elle dure quelques pages, même pas. Que... Là, ils l'ont vraiment beaucoup beaucoup étendu, quoi. Attendez, massacrons eux. Ça a eu lieu à l'époque de la première trilogie, ça a eu lieu après le jeu d'Hobbit, ça a eu tout le temps. Et dire que ça ne fait que commencer, mais la série refait la mauvaise série. Oh, y a Dark qui rêve que ça, hein. C'est terrible. Bon, c'est bon la base ou il y a encore des gens qui se baladent dans nos terres, là? J'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui se battent dans nos terres. L'anneau, il est si lourd. C'est bon? Si, ça se défend? Ah, c'est parce qu'il y a une catapulte qui nous attaque. Bienvenue dans les montagnes blanches, messire. Merci beaucoup, Sourtronic. La série s'appelle Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, mais c'est pas... Non, mais... Je veux dire que... Si vous recherchez une même aventure que le Seigneur des Anneaux, bah c'est pas le Seigneur des Anneaux, vu que c'est pas une aventure comme le Seigneur des Anneaux. Oui, avec Elrond de Wish, le fragile Galadriel qui fait tout le temps la gueule, tout le monde est énervé, tout le monde. Aïe aïe aïe. Je crois que vous avez pas compris que c'était l'introduction de la... Quoi? L'anneau est tombé. Mais comment ça, Frodon, tu meurs contre des vulgaires mecs invoqués, là? C'est quoi ce travail? Qui a fait ça? Qui a fait ce Frodon pourri, là? Ça, c'est le Frodon Wish. C'est celui-là qu'on déteste. Attendez, faut qu'on récupère l'anneau. Objectif, récupérer l'anneau. Tiens, on va ok Tom Body, comme ça il va se faire plaisir. Par contre, Tom Body, on pourrait niveau 25, quoi. On aurait pu choisir quelqu'un d'autre, quoi. Bon, ok, t'invoques un arbre, c'est génial. Ça endort tout le monde, c'est cool. Non, en vrai, c'est fort, hein. Il est très très fort, hein. Je dis pas, hein. Et le TR, c'est comme Star Wars, ce sont des univers tellement cultes que les fans ne sont jamais contents. Personnellement, ce serait cool qu'ils fassent une apparition de Arad, voir leur civilisation,
les Mumu en live action épique. Je demande pas qu'on les voit une saison entière, mais ça pourrait changer et permettre aux personnes qui n'ont pas vu le Seigneur des Anneaux de connaître les peuples moins connus comme le Run aussi. Alors le Run, normalement, on va le découvrir en saison 2. Et c'est vrai que le Arad, je pensais qu'on allait le découvrir déjà en saison 1. En fait, même pas, genre... même pas, genre, qu'il y ait une histoire chez eux. Juste pour l'instant, montrer que, toi, un peu une... Quand ils auraient dû faire un peu montrer la Terre du Milieu, montrer un petit peu toutes les possibilités qu'il y a, genre tous les peuples et tout, mais genre juste, je sais pas, 2 minutes, même pas, toi, juste montrer, voilà, qu'ils vivent tranquille, enfin avec une petite voix qui te parle derrière, qui te dit, à cette époque-là, ils vivaient comme ça, ils vivaient avec les tribus nomades, machin, ils faisaient du commerce avec, je sais pas, pas les pirates, enfin si, les hommes, on va dire, d'Umbar, des trucs comme ça, toi. Juste raconter en voix off, truc un peu comme ça, sans créer une histoire, toi, autour d'eux. Et pourquoi pas les introduire dans les futures saisons, toi. Parce que là, je sens que ça va arriver sur un cheveu sur la soupe, peut-être. Peut-être pas, hein. On n'est même pas sûr. Bon, là, on continue vers le Rouen. Hein. On va les massacrer. I am Gandalf, and Gandalf, it's me. Allez, on va faire le You Should Not Pass. Je suis Elrond, le semi-elfe. Le souci, c'est que l'univers est tellement vaste qu'il y a 1 milliard de choses à dire. C'est la même problématique que Star Wars, où il y a 2 univers très construits. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, étonnamment, le film spin-off d'animation sur le Rouen, tout le monde est hype. Et là, personne ne hurle. Attendons de voir les premières images quand même. Oui, bah, écoute, hein, croise les doigts pour que ce soit génial. Que font les elfes ici? Je comprends pas, là. Ils veulent donner l'anneau au Rouen ou quoi? On va invoquer ça, un peu pas. Allez, invoque-moi ce petit chariot. Ici, moi, je hurle. De toute façon, Dark, il hurle tout le temps. C'est un hurleur. Ah, il est où, mon petit hobbit, là? On va invoquer une petite maisonnette. Oh, la forteresse qui se fait dépop. Incroyable. 52 points de pouvoir. J'avais pas vu. Ça va vite, hein, les points de pouvoir, ici. On en gagne à la tire à l'ego, là. Bon, allez, on va les massacrer les nains ensuite. En tout cas, la cité est vachement chouette. Soyez heureux que Tolkien ait interdit la production de Sarzano par les Beatles, car vous seriez crevé les yeux. Ah, on a eu de la chance, on a eu de la chance. Au final. Imaginez, Peter Jackson, il aurait pas fait la trilogie du Sarzano. Je ne serais pas là. Hein. Moi, j'ai découvert avec les films, donc... Toi, moi je critique pas les adaptations parce que c'est grâce à elles qu'on rentre dans l'univers. Faut dire merci, il y aura d'autres personnes. C'est sûr que c'est un Olifant qui vont attaquer Edoras ou c'est simplement des concept art? Je sais pas. Hein. Dans mes souvenirs, Edoras n'est pas attaqué par les Olifants. C'est plutôt bon, bah, potentiellement ça peut être... Enfin, forcément c'est les hommes sauvages du Pays de Dain qui les attaquent. Mais... Il peut y avoir l'aide des orientaux, mais le Harad, ça me paraît quand même très très loin quand même. Donc je pense que c'est juste une image concept art. Get down! Allez, go faire un maximum de pouvoir tout le monde là, go. Allez, Elrouir, j'ai même pas fait la danne, si j'ai fait la danne. Si, quand même. Allez, go à la dernière porte là. On a l'anneau, l'anneau est à nous. On va le remettre dans la porto. On a 1000 de pop sur 1200, c'est génial. Est-ce qu'on peut pas refaire des petites unités? Allez, petites unités. De toute façon, tout est écrit dans mon analyse, donc c'est bon. Il n'y a plus de débat possible. Ça y est, Tom a réglé la situation. Nous sommes sauvés. Allez, gros préparé. Les nains vont arriver sur nous. Mais du coup, attends. L'IA s'est entretuée? Ah ouais. Ah non. La Lothlorien et Erebor sont toujours en train de se battre depuis tout à l'heure. Et ils sont vraiment pas doués. Hein. On fasse la photo de classe. Mais on l'a fait où la photo de classe aussi? Le problème c'est qu'il y a... On pourrait la faire là. Ouais, là ça peut être sympa ici. Est-ce qu'on ferait pas la photo de classe maintenant? On va pas y penser. On va la faire là. Avec tous les héros. Tain, les héros, il y en a tellement. On va attendre les armées qui arrivent. Attendant, je vais essayer de trouver l'angle parfait pour faire la photo. Il me faut un truc avec le port ou le
Ici, ça peut être sympa. Ici, ça peut être sympa. Il y avait genre... là. Un peu plus haut, peut-être. Genre un truc qui est là et qui surplombe la cité. Ah, la cité est quand même vachement chouette. Hein. De toute façon, il n'y a pas de débat. C'est pas écrit dans les lits qu'il y avait des macarons. Et bah voilà, pas de débat. Tout va bien. Allez, on va attendre que tout le monde arrive. Je plains les maquis du trajet Arad et Doras. Ah, c'est vrai que ça doit pas être très évident. On va les attendre tranquillement. Ah, attendez, ça me permet de boire un petit coup tranquillement. Impossible d'entretenir plus de troupes. La bataille entre la Lorienne et les nains, c'est clairement une bataille d'ivrogne en vrai. C'est sûr. Attends, Glorfindel, on va mettre à papate. Ils sont tous à papate et... ouais, il y a carrément des mouettes, c'est génial. C'est vrai qu'Age of the Ring, ils... Ils ont quand même très bien travaillé leur mode, quoi. Avec tous les héros comme ça, c'est génial. Mais du coup, je vais peut-être me mettre à gauche, plutôt. Sinon, on verra pas la cité. Allez hop hop hop, on y va, on se place. Attends, je les ai améliorés ou pas? Je les ai améliorés. Hein. Tout le monde est amélioré. Hein. Ok, allez, go la photo et après bataille. C'est plutôt celle-là. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop. Non, c'est pas mal en fait comme ça. Le grand roi Théo. Théo le boss. Ok, allez. Avec le petit pouvoir là. Go faire la photo. Oh! Oh! Alors, on en fait trois têtes et on verra ce qu'on prend. On prend toujours la même de toute façon, donc ça change pas. Allez, go terminer ça là. J'ai encore deux armées à détruire. Il est 40. Putain, je suis déjà en retard quoi en fait. Allez, on se dépêche, go, 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 on sort. Pas le temps de niaiser. Me dites pas que c'est encore en train de se battre, je les déteste. Allez, go, go, go. Oh l'anneau, là... ils ont toujours pas mis l'anneau à la porte, mais je les déteste en fait. La quantité de nourriture que ça doit engouffrer un mumal. Où sont les mumas de transport et où est les esclaves qui doivent préparer la, toute la nourriture, etc. Hein. Mais ouais, c'est fou ça, où ils sont. Ils sont où? C'est qui ça? C'est les hommes du lac? Ils sont en train de m'observer? Ah ça y est, les nains sont sortis. J'ai l'impression que les elfes se sont fait massacrer et les nains... Oula. Attends, ça c'est pas fort contre les bâtiments, je crois. Oh, ils ont été tout bleutés là. C'est à cause du pouvoir. Salut, Blue Stardust. Bienvenue à toi. Heureusement qu'il y a les communautés pour faire vivre des jeux comme ça. En plus, on est globalement sûr que ce sera bien fait parce que les mecs ne pensent qu'à optimiser le jeu. Il n'y a pas forcément d'intention commerciale derrière. Ah bah là, c'est sûr que BFME, ouais, il n'y a pas vraiment d'intention commerciale derrière. Hein. Bon, les nains, là, c'est pas que vous me souliez, mais moi, je dois y aller. Il est 42. Allez, go, go, go. Là. Petit perce nuage. Oh là, ils vont se faire massacrer. Faudrait que je refasse des béliers, hein. Go, un maximum de béliers. Alors, Findel, t'es combien? T'es niveau 42, c'est bon? Pam pam. Qu'est-ce que vous voulez faire, les nains, là, devant? Par contre, on voit plus rien, là, c'est tout bleu, là. Vraiment, c'est un peu l'abus, là. Par Elbered, Guildomiel. Ok, allez, on va faire ça, ça. Ça c'est quoi? C'est un buff, non? Summon des ruines d'Anorien. Allez hop.
Ça s'invoque ça. Ah oui, là. Ah oui. Donc là, on peut faire qui? Summon. C'est qui? Amroth, ok. Là, on peut faire le haut roi du Gondor. Ah. Attends. Region, Celebrimbor, Fingolfin, Thorin, Gil-galad. Donc on en a deux nouveaux. D'accord. Ils étaient pas là avant, ces deux-là. Pour moi, celui-là, c'est un nouveau. Non? Elendil? Je sais pas si on pouvait le faire avant, Elendil. Allez, go massacrer les nains, là. Oh, la base des nains qui est full améliorée. Qui est vraiment très chouette. Bah, on va la massacrer, hein. Youhou! Ah, allez, 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 bélier. On n'a pas le temps, nous. Merci, c'est chill de regarder un jeu comme ça, j'aime bien. Ah, bah c'est vrai que le jeu est chill. C'est la détente. Sauf en multijoueur où on rage un peu, mais... Un détail. Bon allez les nains là, ça dépop là. Allez, 44, je vais être en retard, c'est sûr. Après j'ai les elfes à détruire. J'ai les elfes à détruire. Allez, allez, sous la porte là, directement. On a pas le temps. Pas le temps pour vos bêtises là. À terre, mettez-le à terre. Les elfes, ils sont pas faits pour détruire les portes, hein, malheureusement. C'est quoi déjà? Go. Go tout détruire là. Ah, ma companions. Allez hop hop hop. On détruit tout. La forteau, la forteau. Très important la forteau. Oula, il s'est passé quoi ici? Oh non, le Fermi-Magot est mort. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Bah, un petit pouvoir là, Aragorn. La forteresse des nains est trop tanky aussi. Je fais 36 000 béliers aussi. Ah, l'anneau est lourd, ouais, bah, je peux le justifier, je peux dire. L'anneau est très lourd. En plus, faut que je me dépêche parce que aujourd'hui, je suis censé me dépêcher à rentrer parce que j'ai un cours de cuisine aujourd'hui. Ma mère et ma copine, on fait un cours de cuisine. Je sais plus ce qu'on fait, hein. Je crois qu'on va faire des desserts. C'est assez rigolo. Non, Aragorn, tu peux pas mourir, pas maintenant. Y'a pas un pouvoir qui peut aider. D'unité en plus. Ne vous le rachez pas, mi barbu. Allez hop hop hop. Aïe aïe aïe, terrible. Ah, j'ai perdu des Noldor là. Ah, ça y est, les elfes arrivent, MDR. Il y a les elfes. Il pète en plus mon bâtiment qui invoque des super-héros là. Là, on va invoquer qui maintenant? Ah bah merde, j'ai invoqué le même. Oh non, le gros nulos là. Le mec est horrible. Il y en a un qui va me faire la gueule dans le chat. Allez, détruisez tout là. On n'a pas le temps. Poggers. Érodi pour ça. Oui, le gros nulos là, il est où? Je sais même pas ce qu'il fait le gros nulos là. Il est où le Gronulos? Voilà, toi il est déjà parti le Gronulos, il sert à rien. Hein, il reste pas longtemps. C'est nul. Pourquoi tout est bleu? C'est une honte. Je sais pas pourquoi tout est bleu. Ce sont des kiffs, j'en vois plus rien. Vraiment, c'est dégueulasse. Enlevez-moi ça là.
Salut le tout claquos là. Allez, encore un bâtiment là. Après, faut que j'aille de l'autre côté. Allez, allez, on se dépêche, j'ai pas le temps de niaiser là. Voilà, adversaire a été vaincu. Gaucher les elfes maintenant. Les elfes ils vont pas me saouler quoi. C'est bon, on peut même recruter un capitaine, voilà. Pour la beauté. Tac. Tu sais qu'elle rouillerait moi. Non! Quoi? Elroir est mort! Oh non! Ce BG de la street est mort! Oh non, et son frère aussi! Invoquez Gandalf! Gandalf hit me! Boum! Allez, allez, hop, hop, hop! Allez, hop, hop, hop! Oh là là, mais ils sont trop lents, mes hommes! Ils vont pas au bon endroit en plus, les béliers là! J'ai l'impression que c'est le 100e bélier qu'on fait là! Aidez-moi! On n'a pas le temps de vous aider! La Gandalf est mort, troll! Allez, allez! Mais c'est pas les elfes qui vont m'empêcher de gagner quand même! Pam 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 pam! J'ai invoqué un arbre, ils vont tous s'endormir, c'est génial! Et ses bottes sont jaunes! Oh là là, il va mourir Glorfindel s'il reste là! Arrêtez d'avancer tout seul les béliers, hein, parce que c'est pas comme ça qu'on va gagner la game plus rapidement! Faut être un petit peu plus malin là! Genre ils font des bateaux. On dit c'est la bonne strat. Le cours de cuisine attend. Non non, là, c'est ce soir le cours de cuisine. Il est 50. Bon bah écoute, on va essayer de se dépêcher hein. Normalement j'ai assez d'hommes pour gagner quand même. Ils se sont fait massacrer par les nains toute la partie. Pas me saouler quand même. Non mais les gars, avancez, avancez! Laissez pas les béliers en première ligne! Leur forteresse est peut-être défendue, vous foutez de moi là! Bien sûr qu'elle est défendue leur forteresse! Sinon ça n'a pas de sens! Clorzent là! Non, Glorfindel qui est mort! Et son pas est léger, ça! Là je les déteste! Oh le bordel. Ah sinon j'enregistre là hein. J'ai peur de... Ça dure un petit peu plus. Là ils vont péter mes béliers. Je suis pas loin hein, mais... Il va me manquer 5 minutes je crois. Aïe aïe aïe. J'aurais dû attaquer beaucoup plus tôt. Lui les elfes. C'est méchant là. Je crois que c'est eux qui débuffent les bâtiments. C'est une boucherie de héros par ici. Ah ouais non mais là... Là c'est une boucherie de héros là. Ah ok ça. Petit monument. Non mais les gars détruisez pas les arbres, on s'en fout des arbres comme ça. Détruisez juste les arbres principaux. Et j'ai plus beaucoup d'hommes hein, en soi. Hein. On sent que ça tient plus beaucoup, hein. Toi là, je suis en train de perdre mes hommes un par un. Non, bah on va sauvegarder ici parce que j'aurai pas le temps de terminer. Donc, suite YouTube dans pas longtemps. Allez, tout de suite. Et re YouTube, nous sommes directement le lendemain. Je continue directement. Je sais même plus ce que je faisais, ce qui se passait. Alors attendez, est-ce qu'on ferait pas, c'est se replier genre juste là. Parce qu'ils ont l'air chaud, ils ont l'air chaud patate. On va invoquer Sam. Ce jour sera peut-être dans les histoires. Oh, et ils ont l'air chauds les elfes là. Attends, on va invoquer une tornade. On va réinvoquer Albarad. On va réinvoquer des petits bonhommes. Allez, vite, vite, vite. Des béliers. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai une ombre avec moi? Ok, j'ai une ombre avec moi, tout va bien.
Eh bah écoutez, on va essayer de les anéantir un par un. On va essayer de faire au mieux, hein. Ou je les améliore au max. Let's go! Salut Tasha! Bon, le but, terminer rapidement cette game. Mais ça a l'air d'être compliqué, hein. Mais attends, mais Aragorn, qu'est-ce que tu fous là? Excuse-moi. T'es en train de me dire, mais qu'est-ce qu'ils font, mes héros? Pourquoi ils sont pas du tout. Mais pourquoi Elrond est là? Oh là là, y'a rien qui va. Elrond, je suis sûr, il est pas au combat. Si, il est au combat. Attends, ils ont l'air tellement chauds là en face. Ça y est, les elfes se rebellent. Je répète, les elfes se rebellent. Attendez, parce que du coup... Il y a vraiment un bateau qui tue tous mes bateaux de pêche. Oh, les pires. Les elfes, c'est les pires. Hein. Tu vois comme quoi. Toujours les elfes, les pires. Hein. Parce que quand on lit pas le Silmarion, on sait pas que les elfes, c'est les pires. Mais quand on lit Silmarion, on se dit, ah, effectivement, c'est bien les pires. Attendez, on se replie un petit peu derrière encore. Oh, les aigles. Oh non, il y en a un qui est mort. Attendez, je fais un petit heal technique. Bon, normalement, les aigles devraient pas tenir très longtemps. Hein. Bon, le héros clé, on le refera pas. Tout logique. On va juste essayer de faire une attaque furtive. Attendez, on va attendre les béliers. Là, la strat, c'est de tuer les derniers carrés. En fait, le problème, c'est qu'ils respawnent trop vite. Vous avez remarqué, ils ont carrément boosté la prod. Il y a moyen qui me pète mes béliers un peu trop rapidement. Attendez, on va continuer à faire des béliers. Encore un bélier de près. Personne approche. Il y a Galadriel. T'es en train de me dire qu'il y a Galadriel. Tuez-les tous. Ça va le faire, ça va le faire. J'y crois. C'est sur les bâtiments, non? Ah non, même pas. Oh non, Elruir va mourir, c'est sûr. Oh non, faut pas le rouiller. C'est sûr en fait. Ah attendez, on va faire ça. J'ai 4 béliers là, il y a moyen de faire quelque chose. Attendez, on va passer par le nord. On va passer par le nord. Albarand est de retour. Glorfindel est de retour. Alors j'ai fermé la herse? Non. Comment ça se fait qu'il... Ride Asphalot. Pourquoi ils peuvent pas aller là? D'accord, trop bizarre. Ça m'était qu'ils pouvaient pas aller genre là. Bon, c'est bon les béliers, ça va. Normalement j'ai 5 béliers, ils sont où les autres? Ils ont disparu, c'est ça que t'es en train de me dire? Pardon, il va mourir. J'ai pas un heal technique là. Aragorn qui est toujours pas là, c'est terrible. Ok, c'est bon, les béliers sont commencé à faire leur petit trafic. Bon sinon comment ça va le chat? Jeudi là, en cette sortie du jeu Gollum. Une roture. Ah, attendez. Attaque furtive, let's go. On envoie tout. Ah là là, il y a tous mes héros qui meurent un par un. Enfin non, ça va en vrai. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. On va invoquer un super héros. Voilà, Seigneur de Lorien, let's go. C'est bon ici, ça se passe. Bah allez les gars là, les béliers, pas le temps de niaiser hein. Et pourquoi ils y vont pas, je comprends pas. Wouah. Ils ont pété un truc ou quoi là? J'ai l'impression qu'ils peuvent plus y aller. Oh les béliers qui ont réussi à détruire 3 trucs quoi. Non mais c'est pas possible, je me fais repousser. L'espoir demeure là où est la lumière. Mais mes héros ne peuvent plus y aller, j'ai l'impression. Regardez, c'est buggé. Ils veulent plus passer. Ils ont cassé quelque chose ici. Je sais pas ce qui s'y passe mais... Mais du coup j'ai plus d'hommes. Attendez, faut que je refasse... Mais c'est quoi ce délire? Bon, ça va le faire ici ou? Ouais, j'ai l'impression que c'est compliqué, hein. Ça a l'air très compliqué.
Donc là, en fait, les héros ne peuvent plus y aller. Ça commence à être un peu relou. Y a pas moyen d'avoir des bateaux. Non ? Ici, je peux passer, mais là, je peux plus passer. Genre, le pont est cassé. Super. Voilà, j'ai découvert un bug. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir reload la carte qui fait ça ? Oui. Est-ce qu'on irait pas taper le bâtiment là ? Allez, c'est le moment là. C'est le moment, il y a plus d'hommes. Ah, ça recommence. Ah non, j'avais pas vu, il y a la madame là. Ils ne n'auront pas l'anneau. Ah, Gollum est de retour. C'est bon, Gollum est de retour. Allez. Ça va le faire là. Je me dis, il y a plus d'unité là. Impossible d'entretenir plus de troupes. Ça va, ça le fait. Faut juste détruire les bâtiments là, c'est tout. Gollum aujourd'hui et très bientôt les news de Return of Morial, Agathe et Rohirrim, ça fait plaisir. Ouais. Tu as dit vite fait le truc là hier. Mais ça, le problème, c'est que ça fait pas de dégâts au bâtiment, je crois. Mais si, hein, mais. Ah si, ça a l'air de faire des dégâts. J'ai rien dit, ça fait des dégâts. Allez, hop. Mais les béliers, ils font pas de dégâts. En fait, le problème, c'est qu'ils ont pas d'engin de siège, donc pour assiéger, bah, c'est horrible. Parce que si je détruis leur forteresse, ça va, c'est tranquille. Mais le temps d'y arriver... Et eux, je vais les mettre au corps à corps. Et Noldor. Ah, j'ai qu'une troupe de Noldor. D'accord. Ça, on peut peut-être refaire un truc. Vas-y, on va faire qu'il est brun beurre, là, avant qu'il soit sur sa pique. Je débloque en tant que héros ou juste en tant qu'unité? Ah, allez, le voilà qui est vraiment mort. Allez, va taper le bâtiment. Galadriel, montrez-nous le chemin. Allez, hop. Ah, petit freeze, tout va bien. On met les béliers en agressif. Stay away. Allez, petite chance, petite mélodie. Non, ça sert à rien. Petite mélodie, non, ça sert toujours à rien. Et bah, let's go. Hein. Ça, c'est un. Quand ils attaquent un bâtiment, ça fait quoi du coup? Ça réduit l'armure au bâtiment, j'imagine, c'est ça? Je crois que c'était ça le. Oui, c'est ça le truc violet du coup. Poggers. Ouais, bon, ça, tu peux le détruire, y a pas de soucis. Non, mais là, il faut encore des béliers là. Encore des béliers. Ça, le dur à détruire cette forteresse. C'est bon! Et hop, au corps à corps. Par Elbereth, Gildo Miel. Allez, sur la cavalerie. L'espoir demeure, oui, bien sûr que l'espoir demeure. Par contre, nos héros qui sont buggés, eux, ils demeurent pas. Hein. Le fardeau est lourd, mais c'est pas grave, nous allons gagner. Allez, hop. Petite tornade, et c'est terminé d'eau. Ah oui, parce que de base, je dois pas jouer à ce jeu-là ce matin. Même si j'aime beaucoup les jeux de ring, Gawa. C'est pas sur le programme. La vidéo a duré trop longtemps. Allez, je donne des buffs à tout le monde, c'est la fête. Ouais, c'est Carwan, elle a 36 buffs, c'est un peu... Mais ils en mettent du temps à détruire un bâtiment. J'ai l'impression qu'ils font zéro dégâts au bâtiment. Hein. Vraiment, hein. Ils attaquent même pas le bâtiment, ils ont pas envie. Ils font vraiment zéro dégâts au bâtiment, d'accord. Il y a la caserne qui est immortelle. Regardez! C'est bon? Il tape enfin le bâtiment? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Le bâtiment est devenu genre invulnérable, un truc comme ça. Allez, c'est la victoire. Eh ben écoutez, merci d'avoir suivi. C'était. Umbar sur Age of the Ring, très sympa en tout cas. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir, mettez un commentaire aussi et abonnez-vous.